Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Les gens d'ici, enregistrée à Clisson dans les locaux de TV C'est Vrai Men. Aujourd'hui, nous accueillons Laetitia Rousseau, qui est coach en images. C'est ça? C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est que coach en images? Eh bien, j'accompagne les gens qui désirent évoluer dans leur image personnelle, c'est-à-dire autant bien sur le physique que sur la gestuelle également. D'accord, alors la gestuelle, on va en parler un petit peu tout à l'heure. En premier lieu, est-ce que vous pouvez me présenter quand même rapidement l'entreprise en règle générale? Donc j'ai exercé en fait pendant 15 ans le métier de commercial. Et je peux vous dire que communiquer une image de soi positive dans ce métier était une chose essentielle, puisque tout passe en première vue par l'impression que vous donnez de vous aux gens. Voilà, donc j'ai décidé de réorienter ma carrière parce que j'avais envie de changer de métier. Et donc, travailler sur l'image de soi a été une réelle révélation il y a de ça maintenant 3 ans. Donc voilà pour mon parcours professionnel. Donc j'ai suivi une école de conseil en image avec des techniques de coaching, ce qui m'a permis de pouvoir exercer le métier de coach en image personnelle. Alors justement, l'image, une petite définition? Eh bien, c'est l'image de soi, c'est la cohérence entre ce que je suis, ce que je fais et ce que je montre. Donc, c'est un tout, en fait. Ça fait partie de la communication. Notre être, toute la communication n'est pas seulement notre façon de parler ou de parler tout simplement les mots, mais ça passe aussi par l'apparence. Donc pour 55% de la communication, on dit que ce qui sera jugé en premier, c'est notre façon de s'exprimer, de gérer l'espace et notre apparence physique. Pour 38%, c'est la façon de s'exprimer, l'intonation de sa voix. Et seulement 7% de ce qu'on dit est retenu par les gens. Voilà, donc l'image de soi, c'est être en accord, comme je vous le disais, entre ce que je suis, ce que je montre et ce que je fais. Donc c'est la confiance en soi, l'estime de soi, et puis l'apparence. Est-ce que les gens en sont conscients? Non, tout le monde n'en est pas conscient de ça. Il y en a, ils le font naturellement. Ils savent que pour se sentir bien, eh bien, il faut qu'ils soient bien sur eux. Hein, donc pour les femmes, bien coiffées, bien maquillées, bien habillées. Pour les hommes, être bien habillés, bien propres, ne pas montrer ses tatouages ou ses piercings apparents, ou par exemple. Montrer. Ou les montrer, mais ça dépend de ce qu'on veut que les gens pensent de nous, en fait. Voilà. Et quand on veut montrer une image positive de notre personne, ou aussi dans le milieu dans lequel on travaille, parce que c'est ça aussi qui est important. Voilà, il faut savoir montrer une image de soi positive. Et pour ça, donc, vous jouez sur les couleurs, notamment? Alors, notamment sur les couleurs, mais il n'y a pas que ça. Hein. Mais les couleurs, effectivement, disent beaucoup de choses. Alors, ça dépend aussi de l'objectif qu'on a personnel. Hein. Soit c'est un objectif personnel d'avoir une image en cohérence avec ce qu'on veut qu'on pense de nous, soit c'est plus professionnel. Donc là, il y a différents codes. Dans le professionnel, on joue sur plutôt des couleurs sobres. Voilà. Après, dans le côté personnel, on peut jouer selon sa personnalité avec des couleurs un peu plus vives, un peu plus lumineuses. Voilà. Autrement, la façon d'associer les couleurs aussi, ça évoque des choses. Soit on met une seule couleur, soit on porte deux couleurs totalement opposées ou qui se suivent. J'appelle ça le cercle chromatique en fait. Mmh. C'est les couleurs qui se suivent, les dégradés de couleurs.
Voilà, donc soit on l'associe à deux couleurs, à trois couleurs, la façon d'utiliser les accessoires aussi par petites touches, voilà, tout ça, ça évoque des messages et ça veut dire des choses. Si on a envie de se montrer plus dynamique, montrer qu'on a du charisme, de l'ambition, voilà, on a différentes façons d'utiliser la couleur effectivement. Alors deux choses au niveau des couleurs. La première, est-ce qu'il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble? Alors, des couleurs qui ne vont pas ensemble, oui, j'ai envie de vous dire oui, mais après ça dépend de votre personnalité. Si vous avez envie de mettre du rouge et du vert, qui peut paraître très à l'opposé, hein, le vert et le rouge sont opposés, pour certaines personnes ça va paraître ne pas du tout aller ensemble, pour d'autres, oui, parce qu'elles ont, en fait, comme ça, elles s'opposent, ces couleurs-là, elles vont montrer du dynamisme dans la personne. Donc voilà, après ça dépend de chacun. Alors après bien sûr on peut parler également symbolisme. Le symbolisme en France ou en Europe n'est pas le même par exemple en Asie. Alors tout à fait, il y a des codes effectivement en France et en Europe qui ne seront pas du tout les mêmes en Asie, en Afrique, voilà. Alors comment est-ce qu'on peut gérer par rapport aux interlocuteurs que nous avons? Eh bien ça c'est, en fait il faut se mettre au courant des protocoles qui sont utilisés dans certains pays. Et faire avec ça. Si vous avez envie de travailler avec un japonais, et ben il faudra avant tout se renseigner sur ces codes-là pour que vous puissiez les porter vis-à-vis de cette personne. Alors, lorsque je veux effectivement moi améliorer mon apparence, je vais vous voir. Comment faites-vous? Alors, je travaille suivant des méthodes de coaching, hein, donc c'est un accompagnement de la personne. On va d'abord travailler sur ce qu'on appelle un bilan d'image. Donc on va voir ensemble quels sont vos objectifs profonds, pourquoi vous avez envie d'évoluer dans votre image personnelle. On va aussi pouvoir interroger l'entourage, donc personnel ou professionnel, pour savoir si ce que vous pensez qui ne va pas chez vous, les autres aussi le pensent ou pas, si c'est pas les mêmes choses ou pas les mêmes choses, que ce soit en cohérence tout ça. Ensuite, on va travailler effectivement sur les couleurs. Donc, on va regarder quelles sont les couleurs d'abord qui vous vont le mieux au teint. Hein, on travaille près du visage, c'est-à-dire qu'on s'interdit aucune couleur du coup, puisque c'est vraiment, on va mettre les couleurs qui vont le mieux près du visage, mais que du coup on ne s'interdit pas d'autres couleurs pour le bas. Donc on va regarder si ce sont plutôt des couleurs froides ou chaudes, mates, lumineuses, claires ou sombres, qui vont vous mettre en avant. Et puis si j'aime bien voir quelles sont les couleurs que vous appréciez, que vous aimez, et quel est votre ressenti aussi par rapport à la couleur. Donc ça, on le fait par le biais d'un test qui va nous déterminer aussi ça, parce que c'est très important. Il peut y avoir des couleurs qui ne mettent pas forcément le teint en valeur, mais que vous appréciez quand même particulièrement. Donc il ne faut pas s'en priver non plus. Oui, alors je dirais quand même un petit peu de psychologie, parce qu'il ne faut pas que ça change le caractère ou l'apparence de la personne. Tout à fait, exactement. Si la personne a envie d'être plutôt douce, montrer qu'elle est calme, posée, on ne va pas lui mettre des couleurs flashy, voilà. Il va falloir aussi respecter ça, suivant le message qu'elle veut faire transparaître d'elle. C'est toujours la personne, hein. Je prends vraiment en considération les souhaits de la personne. Et donc il n'y a pas de risque de changement de personnalité? Tout à fait. Il n'y a aucun risque. Alors sinon, vous intervenez tant pour le particulier que pour l'entreprise? Voilà, tout à fait. Alors l'entreprise, par exemple? Alors l'entreprise, je peux intervenir donc soit par des méthodes de coaching personnelles, enfin individuelles, pardon, ou plutôt en groupe. Voilà, ça c'est selon le choix de l'entreprise, sous forme d'atelier. Ou alors, j'ai des modules de formation, comme comment dynamiser son image professionnelle, qui peut être aussi proposé à l'entreprise. Et le particulier? Et donc le particulier, c'est vraiment un coaching personnel, hein, donc comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, on travaille sur la couleur, on travaille aussi sur le style vestimentaire, sur la morphologie, la silhouette, on travaille sur le visage,
pour savoir quelles sont les coiffures adaptées à votre morpho-visage. Je vais aussi apprendre des techniques d'auto-maquillage, savoir comment se maquiller soi-même. Donc la coiffure, le maquillage. Et puis il y a aussi le tri de garde-robe, parce que souvent les hommes et les femmes ont des vêtements dans leur armoire qu'ils ne portent pas. Ben, voilà pourquoi ces vêtements ne sont pas portés, est-ce qu'ils vont bien à la morphologie, est-ce que... Voilà. Et puis aussi j'interviens en accompagnement shopping, qui est plutôt à la fin de cet accompagnement de coaching, pour voir si toutes les méthodes que j'ai pu apporter ont été acquises et comprises. Voilà. Donc j'accompagne le client en magasin. Alors pour le professionnel, on comprend, c'est pour avoir une meilleure relation avec ses clients, pour augmenter son chiffre d'affaires, on va dire. Le particulier, qu'est-ce qu'il recherche ? Il cherche de pouvoir véhiculer ce qu'il est réellement, d'avoir l'image qu'il aimerait qu'on pense de lui, qui reflète vraiment qui il est. Voilà. Et beaucoup de personnes sont perdues dans tous ces codes, ne savent plus comment faire parce que, par exemple, après un bébé, il y a eu une prise de poids, donc du coup, on ne sait plus comment s'habiller, on a perdu confiance en soi, et voilà, on a besoin de se réapproprier tous ces codes. La société n'est pas un peu en mal de vivre ? Je ne sais pas si elle est un peu en mal de vivre, c'est un peu chacun aussi qui voit ça. Je sais pas. Et c'est étonnant quand même que les gens ne sont peut-être pas capables de se prendre en main, de voir en s'habillant d'une telle ou telle façon, avec telle ou telle couleur. Ils n'arrivent pas à véhiculer, je dirais, l'image qu'ils ont envie de donner. Oui, parce qu'on ne leur a peut-être tout simplement pas appris, que peut-être que dans leur éducation, parce que ça vient aussi de notre éducation, hein, notre façon d'être vient de notre petite enfance et de la façon dont on a été éduqué. Donc peut-être que ces codes-là n'ont pas été appropriés, peut-être que l'apparence n'avait aucune importance dans le cocon familial et que du coup, si on ne vous a jamais appris à bien vous présenter, ou ne serait-ce que même bien se présenter, l'hygiène, avoir les cheveux propres, avoir bonne mine, sans être bien habillé, mais il y a des gens qui peut-être ne l'ont jamais appris, tout simplement. Alors, je veux m'habiller d'une certaine façon pour exprimer quelque chose, oui. Un sentiment, une opinion, etc. La personne qui est en face de moi ne conçoit pas effectivement ce symbolisme de la même façon que moi. Comment je peux faire passer le message ? Alors, oui, mais ça c'est toujours pareil, il faut s'approprier les codes de la personne que vous avez en face de vous. Voilà, si vous voulez convaincre une personne, il faut se renseigner avant sur elle et du coup, s'adapter un petit peu à certains codes universels. On a tous des codes, pour la majorité des personnes, les couleurs veulent dire inconsciemment des choses dans l'inconscient des personnes. Donc si vous allez voir votre banquier et que vous êtes habillé en jean déchiré, que vous avez montré vos tatouages partout, etc., et que vous venez voir votre banquier, comme ça, le banquier va se dire non, c'est une personne en qui je ne peux pas avoir confiance. C'est une personne à qui je ne peux pas prêter de l'argent parce qu'il ne m'inspire pas confiance. Voilà ce qu'il peut se dire. Effectivement. Après, si vous cachez vos tatouages... que vous mettez une chemise et un jean propre, il n'aura pas du tout le même regard sur vous. Tout à fait. Voilà, et peut-être que là, il vous prêtera de l'argent. C'est pas un petit peu tromper ses interlocuteurs ? Alors, c'est pas tromper ses interlocuteurs, c'est entrer dans les codes de la société. Ce que je veux dire, c'est qu'être bien habillé inspire confiance, que ça encourage les interlocuteurs à avoir confiance en toi. Être bien habillé inspire confiance à votre interlocuteur et c'est dans les moments où vous allez être vu par la première fois par lui qu'il va vous juger. Donc c'est pas le tromper, c'est être vous aussi.
Alors, parce qu'on travaille sur sur l'apparence, mais une apparence qui vous correspond. C'est pas une transformation, c'est pas un déguisement, c'est pas quelque chose qui ne va pas vous correspondre vous en fait. C'est vraiment une amélioration de vous, mais qui est vraiment vous quand même. Un exemple effectivement que nous avons bien sûr à Clisson, c'est avec le Hellfest. Oui. Ils sont tous habillés en noir. Oui. D'accord. Le noir ne veut pas dire forcément la même chose pour les gens du Hellfest, les festivaliers, et d'autres personnes qui s'habillent en noir dans la vie courante. Non, alors pour les gens du Hellfest, c'est un code d'appartenance à un groupe. Une idéologie aussi peut-être. Oui, voilà. Et s'habiller en noir, alors effectivement, le trop de noir évoque le deuil. Mais ça peut aussi évoquer l'élégance en étant utilisé par parcimonie. Donc voilà, il y a différents codes sur le noir. En évitant peut-être les objets ostentatoires. Ah oui, voilà, oui. Là, il y a des objets qui veulent tout dire. Alors, effectivement, tous ces changements, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Une fois qu'on le passé entre vos mains, si je peux me permettre, après tous vos conseils, vous nous dites exactement comment nous habiller. Et tout le reste, parce qu'on a aussi une chose qu'on n'a pas parlé, c'est le gestuel. Oui. Et la posture. Et la posture. Alors, qu'est-ce que là aussi ça peut nous apporter? Ben, en fait, là, c'est pour les 38% de la communication que j'évoquais au départ, la gestuelle et la posture évoquent beaucoup de choses. Une personne qui va toujours se tenir comme ça, la tête baissée, on va tout de suite penser d'elle qu'elle n'a pas envie de communiquer avec nous. Alors qu'une personne qui se tient droit, avec plutôt les mains ouvertes, on a plus envie d'engager la conversation avec cette personne. Donc, je peux donner des astuces comme celle-ci pour toujours rester dans la communication positive de son image. Et beaucoup de gens viennent vous voir pour s'améliorer comme ça? Oui, ils aiment beaucoup avoir ce type de conseils, bien sûr. Très bien. Alors, tous ces changements, je veux dire, qu'est-ce que ça peut apporter aux gens? À mieux-être? Voilà, c'est ça. Retrouver une estime de soi, confiance en soi. Vraiment. Retrouver l'envie de savoir mieux gérer son apparence. Alors, une dernière question quand même essentielle pour vous contacter. Comment fait-on? Eh bien, j'ai un téléphone. Qui est. Donc, on peut me contacter au 06 81 36 42 83. J'ai une adresse Facebook, donc Laetitia Rousseau Image de Soi. Voilà, et un site internet aussi, de www.laetitiarousseauimagedesoi. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu chez nous. Écoutez, merci à vous. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous parler de mon activité. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une prochaine émission.